des Twin Text Private Wine Degustation. Ce soir, Baudouin qui va nous expliquer un petit peu comment finalement peut-on distiller les recettes du DRH privé dans un établissement de droit public. Baudouin, je te cède la parole. Merci Xavier, merci d'être venu aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous êtes venu. En tout cas, les bus, les trams et les métros, ils circulaient, eux, aujourd'hui. Pendant 20 ans, il ne se passe rien dans l'entreprise. Plus d'investissement, pas d'engagement de personnel, uniquement le remplacement des chauffeurs de bus et de métro, qui est un seul budget, ni que ce n'est meilleur homme qui ne devrait qu'investir. Donc vous imaginez que la pyramide d'âge, elle ressemble plutôt à un sapin de Noël, mais ça ne semble peut-être pas forcément aussi bon, parce que maintenant, on gère les problématiques d'une population d'entreprises qui est massivement sur le départ et que nous allons devoir remplacer. On essaye maintenant de donner une chance à des seniors de réintégrer l'entreprise des 55 ans et plus. Et je peux vous assurer que c'est des expériences qui pour l'instant sont géniales. Ce sont des gens qui sont extraordinairement motivés, surtout s'ils ont dégusté un an ou deux de chômage à ce moment-là. Et en termes de maturité professionnelle, ça justifie largement le salaire plus élevé qu'ils ont par rapport à des plus jeunes qu'on pouvait engager. Voilà, et donc ça c'était l'histoire de la cible. Je pense qu'on va presque devenir un employeur familial. Voilà, je vous remercie pour votre attention.